Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter deux logiciels qui vous permettront de faire vos bypass sur iPhone, c'est-à-dire deux bons logiciels qui vous permettront de faire vos bypass sur iPhone. Alors sachez qu'il s'agit des logiciels iRemoval Pro qui sont gratuits mais qui nécessitent un enregistrement pour accéder aux fonctionnalités du logiciel. Donc, pour ceux qui voudront effectuer des bypass avec le logiciel iRemoval Pro, sachez que le logiciel est gratuit, mais vous devrez effectuer un enregistrement, c'est-à-dire vous devez enregistrer la SN, le numéro de série de votre iPhone, afin de procéder au bypass. Alors, on a là deux versions iRemoval Pro. On a la première version iRemoval Pro, qui est actuellement la version 6.6.1 avec inclus le logiciel de Jailbreak qui est ARN version 4.5 qui va vous permettre de faire vos bypass des iPhone 6S jusqu'au iPhone X. Vous pourrez effectuer vos bypass grâce au logiciel iRemoval Pro 6.6.1 avec sa version ARN qui est la version 4.5 qui vous permettra en fait de bypasser à partir du iPhone 6S au iPhone X. Hein? Vous effectuerez des full bypass avec cette version logicielle là. Vous pourrez consulter la liste des prix sur les liens qui s'affichent sur la vidéo. Vous trouverez les mêmes liens sur la description de cette vidéo. Donc, comme je le disais tantôt, la version iRemoval Pro 6.6.1 avec sa version ARN incluse va en fait vous permettre d'effectuer vos différents bypass sur les iPhone 6S jusqu'au iPhone X. Donc, je vais essayer d'ouvrir le logiciel pour qu'on essaye de voir un peu comment il se présente. On a le logiciel iRemoval Pro qui est très facile à utiliser en fait. Donc en gros, avant d'enregistrer la SN de votre iPhone, il est important de checker si votre téléphone est compatible, en fait s'il est supporté par le logiciel. Et la seule façon de checker, c'est de brancher votre iPhone et ensuite de laisser le logiciel checker si effectivement votre iPhone est compatible au bypass. Et pour cela, vous devrez être connecté à internet pour que le check se fasse rapidement. Alors, après avoir eu la réponse du check, vous aurez un message, c'est-à-dire une fenêtre qui va apparaître sur le logiciel qui vous dira effectivement votre iPhone est pris en charge. Vous aurez toutes les informations concernant votre iPhone à ce niveau-là. Et ensuite, vous allez passer l'enregistrement de votre iPhone. Alors, si vous voulez effectuer l'enregistrement, vous pouvez me contacter via mon numéro WhatsApp qui apparaît sur l'écran ou sur la description de cette vidéo. Vous verrez mon numéro WhatsApp. Je pourrai effectuer l'enregistrement pour vous. Alors, après avoir fait l'enregistrement qui va durer quelques minutes, c'est-à-dire pour le cas des iPhone 6S jusqu'au X, l'enregistrement va durer quelques minutes, maximum 30 minutes. Vous aurez la réponse du serveur qui va vous dit en fait vous donner la possibilité de bypasser votre iPhone. Et avant le bypass, vous devrez jailbreaker votre iPhone à partir de cet onglet ARN. Alors en cliquant sur cet onglet, le logiciel ARN, c'est-à-dire le logiciel de jailbreak, va s'ouvrir pour que vous puissiez en fait jailbreaker votre iPhone. C'est ça qu'il s'agit concernant la version iRemoval Pro des iPhone 6 et jusqu'au X. C'est cette version-ci qui vous permettra en fait de bypasser vos iPhones commençant de la version du iPhone 6S jusqu'au iPhone X à partir de la version iOS 13 jusqu'à iOS 17. Oui, c'est faisable avec cette version ARN. Ok, donc on va continuer avec la deuxième version logiciel iRemoval Pro. Autant pour moi, iRemoval Pro Premium édition 2.0. Alors sachez que cette version iRemoval Pro va vous permettre de bypasser vos iPhone XR, c'est-à-dire du XR jusqu'au 14 Pro Max. Ok, et vous pourrez effectuer vos bypass. Cependant, vous devrez enregistrer votre iPhone sur le logiciel afin de pouvoir bypasser.
Alors, vous trouverez les instructions de bypass sur le lien qui apparaît sur l'écran de cette l'écran en fait sur cette vidéo. Vous trouverez les instructions de bypass, que ce soit sur la version iRemoval Pro V6 V6.1 ou sur la version iRemoval Pro Premium Edition 2.0. Vous trouverez tout ce qui concerne la procédure, les procédures de bypass et les prix sur le lien qui apparaît sur cette vidéo, ou encore sur la description de cette vidéo. Vous verrez tout, vous aurez le temps de mieux vous documenter sur la méthode de bypass. Alors, comme je le disais tantôt, cette version iRemoval Pro prend les iPhone XR jusqu'au 14 Pro Max en charge et pouvez effectuer des bypass sur des téléphones bloqués sur Hello. Oui. Et les versions supportées sont les versions iOS 15, 16 et 17. Cependant, une petite nuance, c'est que actuellement le logiciel ne prend pas en charge la version iOS 17 sur la série 14, c'est-à-dire sur les iPhone 14. Vous ne pourrez pas effectuer des bypass si vous êtes sur iOS 17 à l'heure où je fais cette vidéo. Vous ne pourrez pas le faire, peut-être après, mais actuellement c'est le cas. Vous ne pourrez pas effectuer des bypass sur les iPhone 14 iOS 17. Mais si vous êtes sur iOS 14 sur iPhone 14 avec un iOS 16, vous pourrez effectuer des bypass. Et ceux qui seront sur iPhone XR jusqu'au iPhone 13 Pro Max, vous pourrez effectuer des bypass sur vos versions iOS 17. Ok. Il arrive souvent que le logiciel impose la mise à jour, surtout pour ceux qui feront des bypass avec des iPhone XR jusqu'au 13 Pro Max. Le logiciel impose parfois la mise à jour vers iOS 17. Ne vous privez pas, faites la mise à jour et effectuez le bypass. Et avant d'effectuer le bypass, comme je disais tantôt, vous devrez checker en fait si votre iPhone est pris en charge par le logiciel. Et pour le faire, vous devrez connecter, c'est-à-dire brancher votre iPhone comme il est indiqué, plug in your device, pour essayer de voir si effectivement votre iPhone est pris en charge. Et je dis, vous ne devrez pas oublier de connecter votre PC à internet afin de pouvoir avoir une réponse au niveau du check. Et après la réponse du check, si votre iPhone est pris en charge, vous devrez, c'est obligatoire, enregistrer la SN, c'est-à-dire le numéro de série de votre iPhone, afin de profiter des fonctionnalités du logiciel. Et l'enregistrement concernant les bypass des iPhone XR jusqu'au iPhone 14 Pro Max prend environ 2 à 5 jours. 2 à 5 jours, l'enregistrement prend 2 à 5 jours, c'est-à-dire pour avoir la possibilité de bypasser, vous devez enregistrer votre iPhone et attendre 2 à 5 jours, voire 7 jours souvent, afin d'effectuer vos bypass. Alors, pour tous ceux qui voudront enregistrer les iPhones pour les bypass, vous pourrez me contacter directement par mon numéro WhatsApp. Vous pourrez aussi consulter les prix sur le lien qui apparaît sur cette vidéo, ou encore sur la description de cette vidéo. Vous pouvez consulter les prix afin d'avoir un aperçu en fait de comment ça se passe, et vous aurez le tutoriel détaillé en fait sur le lien qui apparaît sur cette vidéo. Vous n'avez qu'à taper au scanner le QR code à côté. Vous aurez tout sur la procédure de bypass. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Alors, si vous avez des iPhones à bypasser, n'hésitez pas pour l'inscription. Vous pouvez me contacter, je le ferai pour vous. À très bientôt sur la chaîne One Maga.